when I should've known that the future's strong. I'm gonna text my phone, bitch, leave me alone. Let go, cause I'm never coming home, get a new... Like a broken soul in a wonderland without angels. Yo, salut les gars, c'est Globox. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. J'espère vraiment que ce gameplay que vous voyez devant vos yeux vous plaira. Honnêtement, il envoie du très 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 lourd les gars. Franchement, du sniper, de la roquette, rien de mieux. Mais avant toute chose les gars, je vais vous demander pour cette vidéo 150 voire même 200 pouces bleus. J'espère vraiment qu'on y arrivera les gars, parce que ces derniers temps c'est vrai que j'ai sorti deux vidéos sur ma chaîne il me semble, et deux vidéos où c'est pas vraiment la joie au niveau des vues et au niveau des pouces verts. En tout cas, pour les plus fidèles, vous l'êtes toujours. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Mais voilà, en tant que youtubeur de plus de 12 000 abonnés, c'est vraiment ridicule de faire à peine 400 vues. Et l'autre vidéo a fait 900 vues, c'est vraiment n'importe quoi. En tout cas, j'espère récupérer mes abonnés. Je sais que beaucoup de personnes vont arrêter de jouer à Call of, ne regardent plus de vidéos sur Call of, ou même d'autres personnes préfèrent d'autres youtubeurs qui font plus de performances. Écoutez, peut-être que vous me jugez comme quoi je suis encore... à la retraite ou quoi que ce soit. Écoutez les gars, nucléaire, roquette V2 au sniper. Est-ce que je suis à la retraite? Globox est toujours dans la place. J'ai regardé sur YouTube s'il y avait des nucléaires au sniper. Il y en a, mais toutes les nucléaires que j'ai pu voir au sniper. Après voilà, j'ai peut-être loupé une vidéo, mais pour moi, j'ai vu toutes les nucléaires au sniper. C'est uniquement sur Gustave Canon en hardscope et sur le char. Là vous pouvez constater Gustave Canon, je pense que vous la connaissez tous hein. C'est la map de sniper, la map où toutes les personnes vont au middle map, vont au milieu de la map et temporisent sur le grand train. Bref, la map que vous voyez à l'instant, je ne me rappelle plus du nom, en tout cas c'est ma map préférée parce que voilà, il y a des couloirs, il y a un middle qui est accessible par plusieurs passages. Au moins je trouve que c'est la map qui donne envie de bouger, qui donne envie de ne pas rester qui donne pas envie de rester pardon à la même place. Je parle bien sûr des campeurs. Donc voilà, full rush les gars. Non, je déconne, bien sûr que non, j'ai pas fait full rush. Je vais temporiser pas mal de fois, c'est tout à fait normal les gars. On parle d'un sniper, on parle pas d'une mitraillette, on parle vraiment d'un sniper. Je pense que je vais faire 2 kills maximum au car 98. Ne me dites pas dans les commentaires, oui t'as réalisé 2 kills avec l'arme secondaire. Non les gars, franchement c'est une nucléaire pratiquement réalisée au sniper, donc je pense qu'on peut valider ça comme étant une nucléaire au sniper. Donc c'est le car 98, le sniper le plus voilà, mon préféré tout simplement de ce Call of. Comme vous le savez, jouer au sniper sur ce jeu c'est pas facile. Certaines personnes disent oui c'est trop facile le sniper, tu mets une balle, tu meurs. Écoutez, essayez d'enchaîner plusieurs gars au sniper et on en reparlera. Voilà, je dois être le seul joueur entre guillemets perf. Je me considère pas comme un joueur perf, mais la seule personne qui réalise les massacres sur Call of Duty a joué au snipe avec Grony. Avec Grony, pardon. C'est vrai que Grony y joue. Après, il y a d'autres personnes que voilà, je ne sais pas. Peut-être que je ne connais pas. Peut-être qu'il y a certains youtubeurs assez connus qui y jouent, mais que je connais pas. Skyros, c'est pas un joueur perf. C'est un joueur kill feeder, si on peut appeler ça comme ça. Kill feeder. En tout cas, c'est un joueur qui rentre des clips au snipe. À la base, je voulais rentrer des clips au snipe parce que franchement, vous connaissez les gars. J'adore jouer au snipe. C'est mon péché mignon. Voilà, là vous pouvez voir, il y a des gros hardscopes parfois, mais voilà, il faut comment expliquer ça. Il faut assurer ses kills, il faut être sûr parce que si tu loupes ta balle, malgré que les mecs en face ne soient pas très bons, c'est du match-up par équipe, malgré qu'ils ne soient pas très bons, ils peuvent quand même te tuer. Parfois un coup de chance, parfois des gros bullshit, et parfois voilà, parce que aussi, voilà, c'est pas parce qu'ils sont bas niveau que c'est forcément des noobs, hein, c'est peut-être des mecs comme vous et moi qui viennent juste d'acheter le jeu. Écoutez, c'est vrai qu'en face c'était pas des lumières, je l'avoue. En tout cas, il faut obliger ce genre de personnes là pour réaliser de jolis gameplay. Donc là, vous pouvez voir que je rush quand même. Regardez des petits quickscopes que ça rentre. Là, je vais rentrer une petite triple feed, c'est sympa. C'est des clips assez sympas. Donc il faut pas dire non plus que je faisais que de temporiser. Je rush en même temps. À la fin, j'étais obligé parce que sinon
la partie était terminée, les gars. Je remercie énormément Jupom qui s'est laissé volontairement tuer. Vous allez le voir de toute façon après pour le dernier kill. Il était obligé, franchement, il faisait un kill de plus. Et ben moi, j'étais mort dans ma... J'étais pas mort, mais ma série était morte, tout simplement. Bref, voilà, les gars. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Je compte sur vous, vraiment, les gars, pour mettre un joli pouce vert, un pouce bleu, si vous préférez. Je compte sur vous pour commenter la vidéo, voir ce que vous en pensez. C'est quand même pas rien. Une nucléaire, regardez, fusée V2 débloquée, ma toute première, et en plus de ça, au snipe. Voilà, franchement, que te demander plus. La première nucléaire au sniper, et en plus de ça, en match à mort par équipe. Bref, voilà, les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine, tout le monde. C'était Globox. Bye bye, tout le monde.